Salut les amis, c'est Shirokio. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la note du jeu de l'ombre du Mordor. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai préparé une grille d'évaluation pour noter ce jeu. Enfin, pour noter tous les jeux que je vais noter d'ailleurs, hein. On va commencer pour le premier point, la conception du jeu. Donc, c'est tout ce qui dit graphique, esthétique et maniabilité du jeu. Alors, on va commencer, j'ai fait des petites vidéos hein, pour expliquer tout ça, hein. On va commencer par le graphique. Là, c'est ce qu'on appelle tout ce qui dit bug, pixel et profondeur. Donc, pour moi, le jeu a pas de bug, enfin, il y en a très peu remarqué, surtout des bugs graphiques. Il y en a très très peu, j'en ai vu qu'un, je crois, et ouais, j'en ai vu qu'un seul. Je vais vous le montrer. Alors, je crois qu'il faut que je tourne à un certain angle, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est juste le bug graphique que j'ai trouvé. Il y a eu d'autres bugs, mais c'est des bugs de jeu, donc c'est pas pareil. Il n'y a pas de pixels, comme vous voyez. C'est pas pixelisé du tout nulle part. C'est net. Et donc, il faut savoir que la profondeur est excellente. C'est-à-dire que, comme vous voyez, la distance qu'il y a entre moi et la ruine là-bas, c'est la vraie distance que quand je marche, en fait. C'est vraiment très très bien réalisé pour ça et je suis très fier, je suis très content de mettre un 8 sur 10 pour le graphique. Alors maintenant on part sur le côté esthétique. Donc l'esthétique c'est tout ce qui est le visuel du jeu et l'aspect du jeu. Bah franchement j'ai rien à dire, j'ai montré les paysages, c'était vraiment très beau déjà. Les personnages aussi sont très bien réalisés, hein. Regardez vous-même les traits, les dessins, les armes, les... Waouh, c'est super beau. Il a une très très bon aspect quoi en fait, tout simplement. Donc, pour moi, l'esthétique, je vais mettre un 8 sur 10. Pourquoi? Bah, c'est simple, parce que je pense qu'ils peuvent mettre. Ils peuvent faire mieux, tout simplement. Par exemple, sur le côté du monstre, des dressages, de tous les créatures, les ourouks, etc., ils peuvent vraiment mieux faire. Là, je me promène un peu pour vous montrer un petit peu les paysages qu'il y a. Pour vous montrer que voilà, c'est une bonne profondeur, hein, comme vous voyez, hein, pour le graphique. Regardez-moi ça, même ça. La porte noire, regardez comment il est beau, comment il est bien fait. Maintenant, on va partir sur la maniabilité. Donc, la maniabilité, c'est tout ce qui dit les touches, l'adaptation au système du jeu. Bah, franchement, vous dire, c'est très facile à s'adapter. Il a une très très bonne prise en main, très facile. Les touches sont pas classiques, hein, donc ne vous attendez pas à avoir les mêmes touches que Call of Duty, par exemple. Du tout. Là, il faut vraiment... On peut attaquer comme un bourrin, oui, mais il faut vraiment utiliser, par exemple, triangle au bon moment pour se défendre. Il faut utiliser telle touche pour faire telle chose. Pour les pouvoirs, c'est telle attaque, c'est tel machin. Franchement, c'est très intéressant. Mais par contre, je trouve qu'il y a deux trois petits bugs à régler quand même. Par exemple, quand on fait triangle, comme je vous ai dit, en fait, des fois ça marche pas. Et du coup, si on doit faire un compteur au maximum, ben, ça marche pas. Donc, ça est un 7 sur 10. Voici la note complète de la conception du jeu. Le graphique, c'est 8. L'esthétique, c'est 8. Et la maniabilité, c'est 7. Donc, 23 sur 30. Maintenant, on part sur le jeu en lui-même. Donc, l'histoire, la règle du jeu et le temps. Alors là c'est simple, c'est vraiment tout ce qui est autour du jeu. Hein. Donc pour l'histoire, il faut savoir juste si l'histoire est bonne, si la tension a été captée, si ça a une bonne logique, une bonne suite. Voilà, tout ça quoi en fait. Bah franchement, je suis pas du tout déçu de l'histoire, que ce soit l'histoire principale ou même du DLC en fait. Les deux m'ont très très bien plu, j'ai vraiment apprécié. La tension a été captée sur le jeu, même pour l'avancement des personnages dans le jeu, c'était vraiment très bien. Il fallait par exemple débloquer telle compétence pour avancer dans la quête, faire telle quête pour avancer dans le principal. Et même mieux, les compétences se débloquent aussi à certaines quêtes principales. Bah franchement, c'est très bien fait, j'adore ça. C'est super, c'est pour bien nous mener à un chemin précis. Alors, donc pour moi c'est un beau 8 sur 10. Parce qu'ils peuvent faire mieux encore une fois, tout simplement. Ils peuvent faire mieux, par exemple, au sujet du lien entre Celebrimbor et Talion. Voilà.
Il n'y a que là qu'on voit le lien réel. Bon, on va partir donc à la suite. Les règles du jeu. Donc il faut savoir c'est juste c'est quoi la sauvegarde, le style du jeu, l'évolution du jeu, l'évolution du personnage. Bah là, qu'est-ce que j'ai à vous dire? L'immortalité fait tout. Le fait qu'on a appris que le personnage était immortel puisqu'il était déjà mort, bah on peut mourir n'importe quand, on revient forcément à une tour, puisque c'est le point de sauvegarde en fait, mais on revient tout le temps. Il n'y a pas de fin quoi, il n'y a pas de game over. Il faut savoir que pour moi c'est un beat'em all, hein, donc comme style de jeu, c'est pas une action ou une aventure, puisque là tu es vraiment, tu dois attaquer, bourriner tout le monde en fait. T'as pas d'allié vraiment. Donc le système de montée de rang, c'est super intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il faut battre les plus forts pour gagner des expériences de rang, et pour gagner de l'expérience pour avoir telle compétence, tel pouvoir. Donc c'est le système Némésis, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des plus faibles pour arriver aux plus forts. C'est très bien, donc un 7 sur 10. Le temps du jeu, donc s'il faut jouer une à plusieurs fois ou s'il est court ou long. Donc j'ai eu pour à peu près une centaine d'heures parce que j'ai joué avant et que j'ai fait les vidéos. Donc c'est un 8 sur 10, il n'y a rien à dire dessus. Donc histoire 8, règle 7, temps 8, ça fait 23 sur 30 pour les jeux. Très bonne note quand même. C'est exactement la même note que l'autre en fait. Maintenant, on part sur l'univers. Donc l'univers, c'est tout ce qui dit monde, le personnage et le réalisme. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le monde et l'univers, bah, c'est très très beau. J'ai rien à dire. Je vous ai déjà dit montrer dans le graphique, mais en fait, la partie-là de la carte du livre de J.R.R. Tolkien est très très beau visuellement réalisé. C'est génial. Les personnages, bah, reprendre des personnages cultes et les rendre plus réalistes, bah, ça rend visuellement beau. Je peux rien vous dire. J'ai adoré cet univers. J'ai adoré le monde. C'est un 10 sur 10 pour moi. C'est vraiment beau. Extraordinaire. Alors maintenant, on passe sur les personnages. Est-ce qu'ils sont charismatiques? Les personnalités, les diversités? Ben franchement, les personnages sont super intéressants. Regardez Talion et son spectre. Juste ça, c'est des personnages attachants. On veut les aider dans leur quête. Gollum, les amis, Gollum, le fidèle Gollum. On peut pas partir sur ça sans connaître Gollum, voyons. Celebrimbor et Sauron, mais ça aussi, c'est deux personnages cultes du livre de J.R.R. Tolkien. Ratbag, le fait qu'on soit ami avec un Lourouk, mais c'est impensable. C'est vraiment hors norme. Regardez pour Irgon et sa femme, hein, comme quoi l'amour persiste encore même près des portes, de la porte noire. Le capitaine noir, par sa méchanceté, par vraiment le côté Sauron de son âme. L'Itariel, qui est une personne qui veut sauver tout le monde, même quitte à être en danger, c'est pas grave. Le nain, mais oui, on peut pas faire un jeu comme ça sans le nain. Surtout un maître nain comme ça, Thorvin, il nous a appris beaucoup de choses. La magie est aussi présente, Rhaen Marwen, avec le sort Saruman. Pour moi, c'est un 10 sur 10, il n'y a pas à dire. Maintenant, on part sur le réalisme, c'est plutôt pour moi la cohérence du jeu. Donc pour moi, la cohérence, c'est simple. Pour moi, là-dedans, c'est le système du pouvoir. Le fait de monter les rangs, l'expérience, si c'est rapide ou pas. Là, ça a été assez relativement rapide. Le jeu est cohérent, c'est-à-dire il faut tel pouvoir pour pouvoir avancer dans tel jeu, bien sûr. Mais par contre, je trouve qu'il y a des trucs qui sont totalement inutiles, hein. Je cherche là, en vous parlant. Voilà, c'est ça. Par exemple, les dagues, pour moi, c'est inutile. Dans les attributs, les runes, ben, c'est inutile. Si on a déjà tous les pouvoirs en bas, c'est inutile, hein, excusez-moi, hein. Donc, 7 sur 10, ça. Donc ça fait un 10 pour le monde, un 10 pour les personnages et un 7 pour le réalisme. Un 27 sur 30, c'est une très bonne note, hein, excusez-moi, mais plus que 3 notes et c'est le maximal. Alors, ensuite donc on part sur tout ce qui est autour du jeu, donc le trophée, le DLC et l'annexe du jeu. Alors donc en fait pour les trophées c'est simple, c'est juste de savoir si c'est difficile ou intéressant. Bah c'est très facile.
Il n'y a que deux ou trois quêtes qui est trois trophées qui est très difficile, mais à part ça, c'est très facile. Ce qui est très bien pour les chasseurs de trophées comme moi. Mais c'est pas assez intéressant pour pouvoir le pour avoir envie de le faire. Donc pour ça, ça mérite une note moyenne. Je vais quand même très bien noter parce que ça m'a permis de vous montrer, de vous apprendre. Je me suis amusé quand même là-dessus. Donc pour moi, je vais mettre la note de 8 sur 10. J'aurais pu mettre très bas, j'ai hésité avec 6 ou 7. Mais au final, je me suis dit, il mérite quand même un petit 8. Maintenant, les DLC. Franchement, le premier DLC, il est vraiment inutile pour la mission principale, enfin pour le jeu principal en fait, tout simplement. Pourquoi j'ai super aimé, hein, je dis pas non, le fait d'avoir des nouveaux dressages à faire, le Karagat, les Ourouk, les. Bah oui, puisque les eaux peuvent monter aussi, eux, des monstres, des créatures. Bah franchement, j'ai bien adoré tout ça, j'ai bien aimé. Mais pour moi, ça apporte rien de plus. Mais je pense que c'est le but. Je me suis très bien amusé quand même. Donc je le remercie. Même si, franchement, s'ils avaient fait un truc qui était plus lié à l'histoire, ça m'aurait mieux plu. Faire une suite de l'histoire, par exemple, pourquoi pas. Maintenant, le DLC numéro 2, dans l'histoire, c'est le seul truc qui m'a intéressé dedans. Je vais pas vous mentir, c'est la seule chose. Le fait de jouer en lui-même m'a pas tellement intéressé tant que ça. L'histoire était extraordinaire. Mais par contre, le jeu était long, radotant, ça revient à chaque fois à la même chose. À chaque fois, il faut marquer les capitaines, gnagnagna, les chefs de guerre, gnagnagna. Moi, j'ai trouvé ça saoulant, on l'a déjà fait dans les principaux. Pour Houdoun, pour la mère de Nurnen, on l'a fait dans le DLC 1, bah, le faire sur un deuxième DLC, ça apporte rien. Si, il y a un truc. Sauron. Le grand Sauron. Là, par contre, ça a valu le coup. Mais il y avait juste son combat, quoi. Donc, c'est-à-dire la dernière mission. Donc, pour moi, c'est, excusez-moi, mais c'est un 5 sur 10. Je noterai pas plus que ça. Mais bon, je vous rassure, c'est pas la pire note de la soirée, de la journée, en fonction de ce que vous regardez la vidéo. L'annexe est pire. Franchement, j'ai détesté. Les missions secondaires, c'était chiant un peu, mais ça va. C'était pas si embêtant que ça. Moi, c'était vraiment le côté collectible que je trouvais super ennuyeux, qui servait à rien, puisque tout est montré sur la carte. C'est pas à toi de deviner c'est à tel endroit, c'est vraiment nul, j'ai pas aimé. Désolé. Donc, c'est un 4 sur 10. Alors donc 8 pour les trophées, 5 pour les DLC et 4 pour les annexes. Donc ça fait 17 sur 30. Mais bon, malgré ça, j'ai une superbe note de 15 sur 20. Voilà, je vous mets aussi les notes des autres jeux, actualités, etc. Qui ont noté le jeu. Et je voudrais vous dire quand même que le jeu a quand même été le meilleur jeu de l'année 2014. Même si pour moi c'est pas un jeu d'action, c'est un beat'em all pour moi. Et voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve très rapidement. Je vais faire une nouvelle vidéo, un nouveau jeu. Du coup les amis, ciao!